quand vous ne concrétisez pas les actions, vous risquez d'être surpris. Donc la semaine dernière à Salé, ça a été le même scénario, une attaque défense. Et aujourd'hui, je pense que tout le monde a vu que c'était une attaque défense. Donc quand au football, vous ne concrétisez pas les occasions, et je pense qu'en première mi-temps, notamment, on a des occasions très franches, quand vous ne marquez pas des buts, vous êtes à l'abri de rien. Et ça fait deux matchs de suite, mais ça souligne aussi notre incapacité à être efficace. Donc ça veut dire qu'on n'est pas efficace. Mais vous savez, aujourd'hui, on a joué contre une défense avec 5 défenseurs. On a joué contre une équipe qui a joué avec 5 défenseurs, 3 milieux défensifs. On a joué contre une équipe qui a joué très bas avec beaucoup de défenseurs. Donc dans ces cas-là, c'est difficile de trouver des espaces. On les a trouvés parce qu'on a fait un très bon pressing en première mi-temps. Mais la probabilité de gagner ce match, si vous ne marquez pas de but, ce n'est pas possible. Donc on a eu pas beaucoup, mais on a eu des vraies occasions. On ne les a pas mises. Et après, à la fin, c'est je ne dis pas que c'est un miracle, mais bon, à un moment donné, il faut. Voilà, quoi. C'est compliqué. Mais c'est normal qu'ils soient en colère. Mais bien sûr qu'ils sont en colère. Mais tout le monde est en colère. Moi aussi, je suis en colère. Oui. Bien sûr, tout le monde est en colère. Il faut prendre ses responsabilités. Oui. Quand vous ne marquez pas de but, que vous ne gagnez pas de match, c'est normal que les gens soient en colère. Donc je suis en colère, le public est en colère, il a raison. Mais à un moment donné, il faut qu'on trouve de l'efficacité. Comment on va le trouver? Est-ce qu'on va le trouver avec ses joueurs? Est-ce qu'au mercato, on va faire autre chose? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, on manque d'efficacité. Ça, c'est une réalité. Donc, quelle est la recette pour trouver de l'efficacité? Faire progresser les joueurs qu'on a, prendre des nouveaux joueurs, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, il va falloir trouver une solution.